Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez le constater, ça y est, j'ai enfin mis un rideau à mon dressing et voilà, on ne voit plus les vêtements qui débordent dans tous les sens et rien que ça déjà, ça me fait un bien fou et surtout ça vous propose quand même un petit fond un peu plus de qualité que ce que je pouvais vous proposer avant que les rideaux ne soient posés. Donc merci à l'amoureux s'il passe par là. On se retrouve aujourd'hui pour tester le fameux fond de teint Shameless de chez Marc Jacobs. Comme vous le savez, Marc Jacobs c'est la marque que je préfère, tout produit confondu. Je vous avais fait un petit sondage sur Insta Story et vous aviez trouvé, c'est la marque tout confondu que j'adore, que ce soit en vêtements, en make-up, en accessoires, etc. Marc, pour moi, il est loin devant et je vais mixer en fait ma pose de fond de teint avec mes produits de soins préférés. Vous le savez, je vous ai fait aussi le sondage, vous avez trouvé, pour moi, il n'y a rien de meilleur en produits de soins qu'Estée Lauder. Et je vais vous tester un tout nouveau produit que vous m'avez demandé, parce qu'on m'avait demandé une petite revue dessus, donc qui va parfaitement s'accorder avec ce fond de teint. Donc là, installez-vous, on est bien. Le Shameless de chez Marc Jacobs, je vais vous lire en fait la promesse du fond de teint et on va voir ensemble si ça fonctionne ou non. Donc la promesse, c'est ultra light, le tout nouveau fond de teint longue tenue avec un SPF 25. Il uniformise parfaitement le teint tout en conservant son aspect lumineux et frais et naturel. Donc voilà, lumineux, frais, naturel, c'est la promesse de ce fond de teint. Modulable à l'envi grâce à sa technologie brevetée, sa texture fluide et légère, préserve les caractères uniques du grain de peau qui font le charme de chaque femme. Et formule inédite, sans retouche. Je vais chez le dentiste juste après, je vais voir si c'est vraiment sans retouche. Hein. Attention, la couvrance du fond de teint est un allié parfait à son hydratation. Donc ça veut dire qu'on va, en plus de mettre un fond de teint, pouvoir hydrater sa peau avec des extraits de trémel de neige, des extraits de marguerite bleue. Combinaison de ces deux précieux ingrédients et le gage d'une peau éclatante, de santé, lumineuse, lisse, repulpée. Il y a 29 teintes disponibles pour le Shameless et il est à hauteur de 41 € pour toute peau confondu, donc tout type de peau, que ce soit pour les peaux sèches, d'où l'hydratation certainement, ou pour les peaux mixtes à grasse. Alors, en général, avec les fonds de teint Marc Jacobs, j'ai tendance à regresser, donc je vais utiliser un nouveau produit miracle apparemment pour éviter de regresser. Vous le savez, moi j'utilise toujours le Shiseido pour matifier mon teint. Là, je vais tester une nouveauté et je verrai si je reviens à mon Shiseido que j'adore et qui fonctionne très très bien ou si je passe au nouveau. Donc c'est parti. Je vais commencer par hydrater ma peau avec ma crème de jour qui est la Revitalizing Supreme Light Plus de chez Estée Lauder, bien sûr. Vous le savez, moi Estée Lauder c'est un peu ma vie. Et c'est une crème globale qui se présente comme ceci. Donc en fait elle va illuminer, elle va lisser, elle va raffermir, elle va hydrater, etc, etc. Donc c'est une, comme je vous ai dit, une crème globale que je vais utiliser en premier. C'est pas ce par quoi je commence, mais là en fait je me suis lavée depuis un petit moment et en fait j'ai la peau qui me tire, donc j'en ai besoin tout de suite. Mais en général je commence par le contour de mes yeux, mais là voilà, comme je vous ai dit, le contour de mes yeux là tout de suite ne me fait pas mal. Par contre c'est ce qui me fait mal, hop, c'est ma peau. Et je vais passer au Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix qui se présente comme ceci. Je vous ai déjà fait une revue hein, sur ces produits-là sur le blog. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Hop. Je vais peut-être mettre mon miroir un peu mieux. Hop. Et vraiment très très important de d'agir sur son contour des yeux. On cligne des yeux tellement de fois, parce que je l'ai mis dans mes cheveux, on cligne des yeux tellement de fois dans la journée que très franchement, il faut vraiment, les filles, faire son contour des yeux, enfin du moins hydrater son contour des yeux, le soigner, et puis les petites pattes de doigts là quand on passe 30 ans, et ben voilà, on les voit.
On va passer à la petite merveille qui va matifier le teint. Je ne l'ai même pas sorti de sa boîte parce que je voulais vraiment vous montrer la boîte. Je l'ai trouvée vraiment hyper, hyper, hyper belle. Regardez, elle est trop, trop chouette. C'est le Big Mega Matte de chez Herborian. Le Big Mega Matte, c'est un petit produit. Regardez. Hop, comme ceci, avec une espèce de Wonder Woman du matte. Voilà, c'est en forme de bande dessinée. J'ai trouvé très franchement l'envoi hyper, hyper, hyper cool. Et hop, je vais te sortir de son emballage. Je vous l'avais montré sur Instastory également et vous m'aviez demandé une revue. Donc, il est là. Donc, c'est un soin matifiant pour le visage, effet flouté, donc effet blur. Alors, je vais en utiliser très, très peu et je vais l'utiliser uniquement sur la zone de brillance qui est la mienne, c'est-à-dire surtout les ailes du nez et le milieu du front. Donc, on va voir si elle fait bien le job demandé. Déjà, elle est très, très, très agréable. Waouh ! Elle est très agréable et elle me fait penser à une crème matifiante que j'utilisais et qui est très très bien aussi et qui aspire le gras en fait. Dès que vous régressez, vous mettez ce produit là sur vos ailes du nez, etc. et ça absorbe le gras en fait. Et moi j'avais une crème comme ça, je vais vous mettre le lien en dessous et ça me rappelle exactement la même texture et qui est plutôt pas mal aussi. Oh mon dieu, cette tête là, vivement que je mette du fond de teint. Et on va passer au fameux Shameless, c'est celui qu'on attend. Ça fait 7 minutes, 8 minutes que je parle. Je suis toujours pas passée à ça. Alors, moi, la teinte que j'ai, c'est la Tan Y480. Vous trouvez ça, en fait, juste au-dessus. Une chose, au prix où il est, parce qu'il est quand même à 41 €, ce n'est pas donné. N'hésitez pas à aller chez Sephora. Si toutefois vous voulez commander sur le site, n'hésitez pas à aller chez Sephora et à tester les teintes. Moi, je l'ai reçu en envoi presse et j'ai été chez Sephora pour savoir quelle était exactement ma couleur et la teinte qui allait me convenir. À 41 € les filles, n'hésitez pas et très franchement, prenez du temps, asseyez-vous chez Sephora et demandez à une make-up artiste ou à une commerciale sur qui vous tombez chez Sephora et qu'elle vous le mette sur la peau, que vous testiez et ensuite vous l'achetez. Honnêtement, n'ayez pas honte de le faire, de le demander, parce que franchement, à ce prix-là, se planter sur une teinte, c'est franchement, franchement pénible. Voilà à quoi ressemble le bébé. Il est absolument sublime. Je vais vérifier les millilitres parce que moi j'ai le remarquable aussi de chez Marc Jacobs. Donc voilà, si on compare l'ancien, donc le remarquable à celui-ci, ici j'avais 30 millilitres pour le Cocoa Matin, c'était le Cocoa Medium Genius, et celui-ci est un 32 millilitres pour le Shameless. Donc il y en a un petit peu plus dans le Shameless. Donc en fonction, voilà, n'hésitez pas à prendre, ce qui vous convient. Donc, c'est parti. Hop, je ne sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez, j'en sais rien du tout. Et je vais venir rajouter quelques gouttes de Advanced Night Repair dessus. Mais je vais juste mettre quelques gouttes parce qu'en fait, il est riche en acide hyaluronique. Et du coup, comme c'est quelque chose que l'on produit naturellement avec sa peau, moi je viens faire une complète hydratation de mon visage. J'en ai besoin. Vous le savez, j'ai la peau qui tire, j'ai la peau qui me fait mal dès qu'elle est desséchée ou dès que je sors de la douche. Je ne peux pas me permettre de ne pas mettre de crème, de ne pas hydrater ma peau tous les jours, voire même deux fois par jour, le matin et le soir. Donc voilà, je mets quelques gouttes et c'est parti. Je sais pas si j'en ai mis trop, pas assez. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit en début de vidéo, on dirait que ça fait 100 ans que je tourne, que la couvrance elle est moyenne. Moi j'aime bien les couvrances fortes parce que j'aime bien ne pas avoir à mettre énormément d'anti-cernes ou quoi. Mais bon, on va tester. Alors déjà, il est très 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 facile à travailler. Effectivement, la couvrance, elle est moyenne. Donc, j'en ai pas mis assez. Et comme il disait, il est tout à fait modulable. Parce que regardez, je le travaille vraiment sans problème. Hop, et mes petites taches ici ont disparu. Là aussi, alors disparu. Du moins, ça s'est quand même pas mal bien estompé.
Hop. Moi, j'en mets sur les yeux, hein, j'ai pas peur. Bon, écoutez, en tout cas, c'est ma teinte. Ça, pas de doute. Je vais tenter, si j'en rajoute encore un petit peu, si on peut avoir une couvrance forte, si on y va quand même à fond. Hop, je vais en rajouter vraiment un tout petit peu. Et comme sur la base, j'ai déjà mis mon Advance, je vais pas le remettre. Mais hop, c'est surtout au niveau des joues que je voudrais en mettre et du dessous des yeux. Parce que c'est là en fait que j'ai ben, des cernes assez foncées et marquées. Et c'est là que j'aime bien combler. Donc effectivement, vous voyez, la couvrance, elle est un peu plus forte. Et bien sûr, avec ce qui nous reste, on vient étaler toujours par ici. Alors, en ce qui concerne la lumière, là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est lumineux. Ça reste quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, assez naturel. Je pourrais limite sortir comme ça. On dirait que je n'ai pas du tout mis de fond de teint. Non, c'est pas trop mal. Écoutez, je vais me maquiller. Bon, voilà, ça y est, je me suis maquillée. C'est la première fois que je mets cette couleur sur les lèvres. Alors, je sais pas trop, je la trouve un peu claire. Pour le teint, rien de plus que d'habitude. Et surtout, je n'ai pas mis de blush, je n'ai pas fait de contour, je n'ai pas mis d'highlighter. J'ai uniquement fait mes sourcils, trait d'eyeliner, mascara et lèvres. C'est tout parce que le but, c'est vraiment de se concentrer sur le rendu du fond de teint. Et uniquement le rendu du fond de teint, j'ai juste mis le Fix Plus de chez MAC pour fixer mon make-up. Parce que ça, c'est quelque chose que je fais maintenant tous les jours. Et j'ai pas du tout envie de me dire que le fond de teint a tenu parce que j'ai poudré tout mon teint ou parce que, etc. J'attends vraiment de voir ce que va donner les ailes du nez, d'une part avec le Herborian et de deux avec le Marc Jacobs, sachant quand même que ce n'est pas précisé qu'il n'est pas matifiant. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir si toi tu fonctionnes. Si je regresse, c'est que lui, il fonctionne moyennement. Si je ne regresse pas, c'est que tout va bien. Donc voilà, je vous retrouve ben, tout au long de la journée. Il est quelle heure? Il est 10h. J'attends une livraison de sushi, donc je vais manger, voilà, je vais faire une vie. Et je vous retrouve plus tard. Contrairement au NARS en fait qui va tout camoufler, ou à l'Estée Lauder qui va camoufler également toutes les imperfections, là c'est pas du tout le cas. On continue à avoir mon grain de peau en dessous pour un effet... Et ça, c'est vrai pour le moment, absolument naturel. Même mon petit bouton qui est là, il est là. Voilà. Donc, globalement, je suis unifiée. Ça, c'est clair. Mais sinon, effectivement, on voit assez bien mon grain de peau en dessous. Donc, voilà, je viens de finir de manger. Je regarde un petit peu. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Il est toujours aussi lumineux. Là, 2 heures plus tard, je n'ai pas regressé. Et c'est en général au bout de 2 heures que je commence à avoir les ailes du nez qui regressent si je n'ai pas utilisé de produit en fait pour les ailes du nez. Donc pour l'instant, le produit Herborian fonctionne très très bien quant à la brillance et la tenue du fond de teint est excellente pour le moment. Donc voilà, je pense qu'on se retrouve d'ici 2 heures pour voir ça. J'espère que ça va toujours. Il est 14h. Je m'étais dit que je ferais une pause toutes les 2 heures pour en voir où est-ce que ça en est. Je suis au niveau de l'opéra. Donc voilà, j'ai fait mon premier événement. Alors j'ai mangé, j'ai fait mon premier événement. Je suis dehors dans le bruit, la pollution, le froid, tout ce que vous voulez. Et je dirais toujours pas de zone de brillance. Donc là, Herborian, on est pas mal du tout. Alors si je me mets au soleil, ça brille toujours pas. Hop. En ce qui concerne, il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous m'entendrez. En ce qui concerne le fond de teint, il n'a toujours pas bougé. Voilà, toujours pas, toujours nickel, toujours aussi lumineux, pas de problème, pas de démangeaison, pas de gros transfert. Sauf si vraiment je touche, etc. Et d'habitude j'ai toujours les doigts un petit peu marrons parce que je me mets du fond de teint de partout. Là, franchement, ça va. Franchement, ça va. Bon, j'apprends à ne plus trop toucher mon visage non plus. Mais là, voilà. Pas de brillance. Tout.
tout continue à fonctionner nickel pour l'instant. Super contente, on verra d'ici 2 heures. Je vous retrouve un peu plus tard. Bon, je sors de chez le dentiste. Il est 16h10. Il pleut, voilà. Je suis sous la pluie sans manteau, sans parapluie comme d'habitude. Alors, ici, il a travaillé autour de ma bouche forcément, donc j'ai quasiment plus de rouge à lèvres. J'ai forcément le fond de teint qui a commencé à partir un petit peu, mais vraiment c'est assez léger, donc le fond de teint c'est une petite pépite puisque il a hyper bien tenu, et pourtant franchement il y a été parce que je me suis fait poser une couronne et tout, donc franchement voilà, chapeau, brillance, rien du tout, aucune brillance, rien, c'est juste génial. Et en termes de lumière on est toujours top, donc voilà, je l'ai testé depuis... Je le teste depuis 10h ce matin, il est 16h et je n'ai rien à ajouter. Petite pépite de fond de teint, petite pépite pour la matité de mon teint. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah, salut.